Salut à tous. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur une pièce en alu, une belle petite pièce quand même. C'est pas grand chose. C'est pour fixer le display. Alors pourquoi on pose ça? C'est parce qu'en fait, toi, la ISE3, il est. Si tu veux remonter tes poignées de frein, tu peux pas parce que l'inclinaison fait que ça tape. Donc si comme moi tu veux avoir le display un peu plus à l'horizontale et un peu plus haut et pouvoir remonter tes freins, parce que c'est vrai que moi ça me perturbe un peu d'avoir les freins un peu vers le bas, on va pouvoir remonter les freins. Donc on va monter cette pièce. Alors pour monter ça, il faut tout redémonter. Rétro, poignée, on plie le guidon et on desserre tout pour passer la nouvelle petite pièce. Et on va voir ce que ça donne après. Bon alors, voilà une fois que c'est mis. Alors le seul truc qu'il y a, c'est que le guidon, il s'est mal ajusté au niveau du guidon. Donc faut quand même mettre un. Moi j'ai mis deux tours de scotch en dessous. Parce que sinon on n'arrive pas à le serrer. Alors ça c'est peut-être le défaut. Je sais pas pourquoi, mais par contre, tu vois, là, du coup la gâchette remonte bien. Ça fait quand tu accélères. Moi j'aime bien accélérer avec la deuxième phalange, pas la première. Donc voilà, tu vois, une fois que ça remonte en fait. Je suis pile à la hauteur. Voilà. Et du coup, j'ai pu remonter mes freins. Donc voilà. Si ça peut me servir, après, voilà. Faut juste savoir que, du coup, le diamètre est juste pour le petit guidon d'origine. Celui qui a un guidon carbone, à mon avis, c'est bon. Bon, bah, allez, ciao.